Salut Olivier, je m'en veux de ne pas avoir fait de réponse à ton super vidéo que tu as faite cet automne. J'étais trop occupé à travailler, fait que, étant donné que c'était vraiment donné la peine pour faire de quoi de bon, moi, je vais revenir à la charge avec une vidéo de la poutine taureau. Nous autres, quand on a manqué d'électricité durant le verglas, il fallait continuer à vivre et il n'était pas question de manquer de poutine. Fait que je vais te montrer comment qu'on a fait ça. Bien important d'avoir de la bonne huile. Ensuite de ça, il faut récupérer le plus possible l'énergie parce qu'on n'avait pas d'électricité. Fait que, on va verser notre huile. Et lorsque notre moteur va tourner, ça va réchauffer l'huile qu'on va pouvoir utiliser pour faire chauffer nos frites. Que c'est merveilleux. En même temps, ben, pourquoi pas réchauffer notre sauce sur l'exhaust. Et un coup parti, quand ça va fonctionner, ben, on va romper notre fromage. Puis, on va essayer de faire des frites. Enfin, je vais tout te démontrer comment qu'on fait ça. Puis tu te souviens, mon espèce de brûleur pour réchauffer le moteur, ben on va essayer de faire de quoi de bon avec ça. Fait que, on va partir ça. Let's go! Avoir assez de fromage. Oui. OK. Ça s'en vient bien. On continue. Bon, mon moteur ayant roulé, ben l'huile a s'est réchauffée. Fait que je vais pouvoir récupérer l'huile pour chauffer mes frites. Fait que ça va bien. Je vais revenir tantôt. Bon, le changement d'huile est terminé. On va être bon pour faire ça. Bon. C'est bien, ça chauffe. Bien. OK. On a notre fromage. Et la sauce, on va finir de la réchauffer tantôt. Bon. OK. Les frites sont prêtes. C'est un petit peu gras, mais ça va faire la job. Tiens. Pour les besoins de la cause, ça va être suffisant. Un peu de fromage. Oh, que ça va être bon. On va aller chercher notre sauce. OK. Ça en vient. Oh,
La bonne poutine! Hey! Regardez-moi ça! Incroyable! À votre santé! Mmh. Délicieux! Salut Olivier!